Bienvenue à la maison, grande sœur. Oh Seigneur, quelle grosse journée. Pardonne-moi mes mauvaises manières. Voici Nanko. Nanko, ma petite sœur. Larry, mon petit ami. Oh! Hey, c'est un plaisir Je de t'en te prie, c'est aussi un rencontrer. plaisir de te connaître. Oh mon Dieu! T'as du mal! S'il te plaît, assieds-toi. Fais comme chez toi. Surprise! Voici le petit ami des grandes sœurs. Hey, son nom qu'est-ce est... que tu as parlé beaucoup comme pas ça? Dis maintenant le nom. Voici mon frère Danjuma. Danjuma, enfin, je te laisse te présenter toi-même. Salut. 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 C'est quel nom, s'il vous plaît? Eh bien, mon nom, c'est Larry Martin. Oh, Larry Martins. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Oh, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte tout. Grande sœur. Qu'est-ce que tu veux entendre encore? Depuis quand tu as commencé à nous cacher des choses? Qui est ce gars? Où l'as-tu rencontré? Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai rencontré au centre commercial il y a un mois et... Il y a de cela quelques mois et tu nous as caché ça? Non, c'était juste une surprise pour vous. Bien sûr. Je suis actuellement surprise. Je suis tellement contente pour toi. Merci. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Ah, Larry a tellement la crainte de Dieu. Vraiment, il a un bon cœur. C'est une âme douce, je peux te le promettre. Il est tellement bienveillant. Ok, il doit être gentil. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Eh bien, je dirais que nous avons eu ce coup de foudre dans une boutique de la place. Donc ça devait être comme un coup de foudre, n'est-ce pas? Tu l'as bien dit. Pour être sincère, je crois que ce qui m'a attiré chez elle, c'est son charisme. Ah ouais, ma chère Marie est vraiment charismatique. Oui, elle est vraiment. Donc, est-ce que tu étais dans une relation avant elle ou bien... Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la relation a pris un coup parce que nous avons traversé trop d'épreuves. Bon, c'est fini. Oh, désolé. Et... C'était quand ça? Il y a de cela un mois. Et tu as déjà sauté dans une autre relation facilement comme ça, hein? Si rapidement en plus. Apparemment, changer de femme n'importe comment est ton passe-temps, hein? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire exactement? Qu'est-ce qui est dur à comprendre là? Un être humain raisonnable et normal aurait pris du recul et aurait fait une introspection. Il serait demandé qu'est-ce qui ne va pas pour voir un peu comment gérer une autre relation. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire exactement? Bah c'est évident, hein, oui. C'est très évident, tu sais. Donc, dis-moi, quelles sont tes intentions réellement avec ma sœur? Excuse-moi, pourquoi ces questions? J'essaie juste de te connaître, tu sais, tu es le petit ami de ma sœur, donc je veux te connaître. Bon, écoute-moi, je voudrais qu'elle fasse partie de ma famille dans le futur. C'est le pourquoi je suis ici. Oh, je vois. Je suis qu'ils disent tous. Hein. Jésus-Christ. Mais Serette, ce gars que j'ai vu, il n'a pas l'air responsable. Il ressemble à une Casanova, un Finlandais. Tu viens juste de le rencontrer. Comment peux-tu le juger de cette façon? Qu'est-ce qu'il y a encore à connaître sur lui? Il casse son corps avec des tatouages partout. J'espère juste que tu ne vas pas utiliser ma sœur, tu ne vas pas profiter d'elle, abuser d'elle et la jeter comme de n'importe quoi. Tu peux répéter cela? C'est quel genre d'insulte comme ça là? Ce gars là-bas n'est pas un bon non, gars. Non, arrête toi. Ça. Tu ne peux pas juste le juger comme ça. Grande sœur, je ne le juge pas. Je ne le juge Qu'est-ce pas. Que je tu veux juste de que faire? Tu regardes bien cet homme, hein? C'est pas ton homme. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Regarde-toi. Ah. Je suis plus âgé que toi. Hey! Écoute-moi, jeune homme, je suis plus âgé que toi. Tu ne devrais pas me parler sur ce ton. Quelle est cette bêtise-là? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je suis dépassé par ces trucs. C'est... Mais j'essayais juste d'établir la conversation avec lui, c'est bébé, tout. Bébé, attends, explique-moi qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien, on parlait juste là, peut-être. Attends, je... Laisse-le partir. Laisse-le partir. Tu iras bien. Ça va aller, là. Ah.
Vas-y, parle, je t'écoute. Eh bien, j'ai juste joué un jeu psychologique avec lui et il a vraiment pété un câble, donc tu vois un peu comment il est. Ce qui veut dire que ses intentions n'étaient pas bonnes. Exactement. Grande sœur, depuis que nos parents sont décédés, tu as été toujours là pour nous. Tu fais tout pour nous, s'il te plaît, grande sœur. Mais on n'a encore rien fait pour toi. S'il te plaît, permets-nous de te protéger. En plus, sœurette, ce gars, c'est un faux type, tu sais. Quelqu'un qui sort d'une relation, ça fait à peine un mois, il saute déjà dans une autre relation. Comme je l'ai dit, c'est un faux type et tu ne vas aller nulle part avec ce faux type. Il n'a rien d'important à faire avec toi. Et grande sœur, toi et moi savons que quand il s'agit des relations amoureuses, tu n'es pas expérimenté. Excuse-moi. Je suis désolée. Je n'ai pas voulu dire de cette manière. Je suis désolée. Sœurette, ne te fâche pas. On veille juste sur toi, tu sais, c'est tout. On veut s'assurer que tu ailles bien. On ne veut pas que tu sois blessé. Non, quoi et moi, on voulons te protéger, tu sais. Grand frère. Vous aurez dû l'envoyer à la police. C'est bon, allons-y. Grand frère. Allons-y. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous tout à l'heure. Merci beaucoup, j'en suis reconnaissant. De rien, je t'en prie. Rita est ma seule famille. Et je l'aime énormément. Je peux pas imaginer ce qui peut lui arriver. Je ne sais même pas comment elle fait pour se retrouver dans ce genre de choses, vraiment. Gars, je dois lui dire de faire très attention. Elle était vraiment chanceuse aujourd'hui, mais la prochaine fois, elle peut ne pas l'être. Je sais. Je vais continuer à la conseiller. J'espère qu'elle reviendra sur ses pas. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci. D'accord. Merci. Grande sœur? Oui. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Parle-moi. J'essaie de joindre Larry depuis quelques jours. Maintenant, il ne répond pas. Il ne me retourne pas les messages non plus. Larry, tu parles encore de ce gars. Je pensais qu'il est déjà le passé. Grande sœur, il ne veut pas te parler. Ce qui signifie clairement qu'il n'est pas intéressé par la relation ou bien toi. Alors passe à autre chose. Je veux juste être sûr qu'il va bien, c'est tout. Il va bien, juste laisse-le partir. Il ne te mérite pas à la fin. Ne l'appelle pas, d'accord? Laisse-le. Tu iras bien, compris? S'il te plaît, Sœurette. Tu as compris? Ah. Où vas-tu? Je veux aller voir mon ami. Cela veut dire quoi? Je veux aller voir mon ami. Quel ami en particulier? Oh grand frère, je suis un enfant. Je ne sais pas le pourquoi tu me poses des questions comme ça. Hein. Moi, j'ai quelques affaires et j'aimerais en discuter avec lui. Écoute Rita, tu dois vraiment être prudente. Je suis vraiment fâché de toi. Tu dois le savoir. Le dernier business que tu as fait, tu as terminé à l'hôpital. Si cela n'était pas par la grâce de Dieu, tu n'allais même pas terminer en garde. Peut-être dans ta tombe. Tu es même sûr que dans ta tombe, tu as meilleur préparé un business là-bas. Oh grand frère, est-ce que j'avais agi comme ça avant? Je me suis déjà excusé.
Pourquoi tu amènes le passé? Je l'espère aussi. Je l'espère que tu as retenu la leçon. Oui, j'ai. Et je promets faire attention à la prochaine fois. Oh, je dois partir. N'inquiète pas. Je vais faire attention, ok? Danjuma! Ah, où est-il? Danjuma, on est en train de t'attendre. Il s'habille comme une princesse. Il prend toujours autant de temps pour se préparer. Ah, c'est vrai. Ah. Pourquoi prends-tu tellement de temps pour te préparer? C'est vrai, tu sais que tu nous as pas démontré ton amour ce matin, tu sais. Notre agent du mois. Oh oui, qu'est-ce qui retarde nos grandes sœurs? C'est tout le temps ce qui vous intéresse, vous deux, hein? Vous travaillez maintenant depuis 2 ans. Toi, ça va faire 1 an que tu travailles. Qu'est-ce que vous faites avec votre salaire? Dites-moi, je veux bien entendre. Vas-y, sœurette, ben, on utilise ça pour les factures et tout. Les factures? De quoi parlez-vous? En tout cas, ce ne sont pas des factures de cette maison parce que je n'ai encore rien vu jusque-là. Mais grande sœur, nous sommes tes cadets, non? S'il te plaît. Regarde-toi, à ton âge, tu as un grand salaire. Qu'est-ce que tu veux de plus? En tout cas, vous aurez votre argent de poche à la fin de cette journée. Merci. Elle a parlé. Merci, merci. Sœurette Marie Yamagaji. Grande sœur de grande sœur. La meilleure. Madame, essence ou autre? POS. Madame, la carte. Combien? 10 000. Le code, madame. Voilà, le réservoir. C'est bon.
Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que je vois mal. Il m'a rempli le réservoir pour 100 000 naira. Il est fou, quoi. Il faut qu'il m'explique cela. Mais... Naira de mon compte, il est fou ou quoi? Ah ah, alors que j'ai demandé 10 000 Naira, qu'est-ce qu'il a fait? Faut qu'il m'explique. Tu m'as demandé les sommes de 2 000. Ton problème, tu manges beaucoup. Imagine actuellement, tu es en train de manger comme un mouton. C'est pour cela que tu commets toujours des erreurs. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu viens juste de sortir de la suspicion. Maintenant, tu viens de commettre ça encore. Je ne peux plus tolérer. Si ça continue comme ça, je vais te renvoyer. Tu sais ce que tu peux faire pour moi? Donne-lui les 1000 naira. Je vais enlever ça sur son salaire. Hey, toi! Je t'ai demandé spécifiquement de mettre 10 000 naira de carburant. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as retiré 100 000 naira de mon compte? Encore? Moi. Pourquoi es-tu étonnée? Ce n'était pas avec toi que j'ai fait ça? S'il vous plaît, madame, je peux voir votre reçu? Je l'ai jeté parce que je ne savais pas que j'allais avoir des histoires avec. Où est sa copie? Ça encore. Alors qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Tu ne peux pas retrouver. Vous avez autre preuve? Oui, voici le reçu du transfert. Regarde, non. 100 000 naira. Au lieu de 10 000 naira, encore. C'est parce que tu aimes la nourriture, c'est pour cela que tu commets des erreurs. Tu es renvoyé. Ne faites pas ça, madame. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Je pars où il n'y a pas de travail. Là où tu veux aller. Pas de travail. Madame, qu'est-ce que vous faites de moi? Madame, je suis vraiment désolée, je suis fâchée maintenant. S'il vous plaît, je vais vous donner le contact de notre compagnie, comme ça vous allez envoyer les détails et je vous transférerai votre argent. Madame, où vais-je partir, non? Qu'est-ce que vous comptez faire de lui? S'il vous plaît, laissez cet homme, allons-y. Je ne pense pas que le renvoyer serait la meilleure solution. Vous savez, ces employés de maintenant, ils ne font pas toujours ce dont on a besoin. Vous l'avez parlé. J'ai essayé, j'ai tout dit, mais elle insiste pour vous renvoyer. Je ne sais pas. S'il vous plaît, je n'ai pas d'autre endroit où aller. J'ai dit qu'elle insistait pour vous renvoyer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais, mais j'ai besoin de quelque chose. Je n'ai plus de travail. Ce n'est pas de ma faute. Je sais, j'ai pas dit que c'est de votre faute, mais le seul travail que j'ai, je n'ai pas de père et je n'ai pas de mère. Je ne connais pas d'autre endroit pour aller, s'il te plaît. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi, c'est juste de parler avec elle. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, ne me laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Pardon, je vous en supplie. Tu me parais mieux éduqué. Pourquoi est-ce que je ne te trouve pas un meilleur travail? Je pense que chacun a son histoire. Alors, c'est quoi ton histoire? Après la mort de mon père, ma mère s'est remariée. Elle a abandonné ma sœur et moi. Elle est partie hors du pays avec son nouveau mari. On a pratiquement grandi par nous-mêmes. J'ai dû faire beaucoup de choses, beaucoup de petits jobs pour pouvoir garder ma sœur à côté de moi. Ça devrait être difficile. Ouais. Le seul problème maintenant, c'est ma sœur. Elle refuse de faire quelque chose d'utile avec sa vie ici. Elle va dans la rue traîner avec les voyous. Elle boit, elle fume.
Tu sais, tout cela m'a même mis dans la dépression même. Et je trouve la solution dans la nourriture. Je vois. Je suis vraiment désolée. Mais je crois sincèrement que tout va bien se passer. Et qu'au final, tu verras la main de Dieu. Tu trouveras Merci forcément beaucoup. Un autre travail. Merci, amen. Vous parler m'a permis de libérer mon corps. Merci. Oh, ce n'est rien. Je te donnerai ma carte. Comme ça, tu pourras m'appeler. Pour le moment, je te déposerai quelque part. En route, ça va? Merci. Okay. Tu vas t'étouffer ou faut pas t'asphyxier ici, hein, je te dis. Hein. Calme-toi. Tu penses que tu peux fumer? C'est Moussa. Tu es devenu Moussa. Eh oui. Je te dis, hein, tu vois, il y aura du bon. Boss. C'est comment? C'est quoi ces bêtises? Quoi, grand frère? Non, qu'est-ce qui se passe ici? On est arrivé. Fumer dans ma maison? Tu as amené ce voyou? Je ne sais même pas qui est-ce. Hé, hey, sors de chez moi maintenant. Ah ah, boss, calme-toi. Je ne veux rien entendre. Mets-toi dehors. Voyou, idiot, bon à rien. Okay, sors d'ici maintenant. Ne me fâche pas, ne me fâche pas. Sors d'ici. Ça, c'est ce que tu fais quand je ne suis pas là. Amener ce voyou qui sort de la rue. Un bon à rien dans ma maison. Oh, grand frère, pardon. Calme-toi. Ce n'est pas un type de bon à rien. Ce n'est pas un type, c'est mon ami. Oh, donc tu n'as pas vu quelqu'un de raisonnable à part celui-là pour faire de ton ami, à part ce gangster? Écoute, jeune fille, tu ferais mieux de t'arranger si tu veux qu'on reste ensemble. Ça fait que je suis duty de ta vie. Tu as perdu la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc, grand frère, tu ne peux... Allez, tais-toi. C'est le seul ami que j'ai. Écoute, je te donne un dernier avertissement. Que je te voie encore avec ce genre de gars dans les rues. Tu vas regretter le jour de ta naissance. Oh, grand frère, je suis désolé. Allez, tais-toi. Oh, je suis désolé, non. Imagine. Que je te voie encore avec ce genre de personnes. Babe, te fâche pas, s'il te plaît, babe. Oui. Moi, on me respecte. Hein. C'est pas un gars comme ça qui va venir me parler comme ça. Moi, on me respecte. Hein. Je suis à respecter. C'est mon frère, je suis à craindre, moi. Est-ce qu'il me connaît? Toi, c'est mon frère. Si c'était pas ton frère, j'allais lui montrer c'est qui le patron. En deux minutes, on allait le voir. Ganja, calme-toi, non. Pas frapper mon frère. Ganja. Et je suis fâché. Ne fâche pas. C'est à cause de toi. Hein. C'est à cause de toi. Parce que tu as un joli visage. Je regarde ton visage depuis là. Je suis ton bébé. C'est à cause de ton visage. Touche mon visage. Touche. Parce que tu es jolie. Tu es très belle. C'est à cause de ça. Touche, non. Tu es mon bébé. Je vais te faire des choses même actuellement. Rien pour moi. Tout non. Tu n'as pas confiance au bébé. Tu veux me montrer ton amour. Je te dis. Tu veux me montrer ton amour. C'est quoi ça? Biscuit. J'ai 17 Naira. Attends. C'est quoi ça? Hein? Non, ça peut pas être possible, non? Hein? Ça peut pas être possible. Dans tout ce sac là, quoi. Donc tu veux me dire qu'il y a rien? 7? C'est quoi tout ça là? Bébé. Ah! Ça, c'est un sac du marché. Hein? Quand même. Regarde ça là aussi. De toute façon, on a souffert comme ça pour avoir ce sac là. Tout ce qu'on a fait, toucher la route. Donc c'était dans le vide, quoi. Oh. La bouteille me mettait fraîche. C'est à cause de tout ça là. 3-5. Regarde dans ce tome est habillé. Tu dis quoi? Non, c'est pas possible. Je te dis, c'est pas possible. Moi, je fais des dégâts. Hein. Je fais des dégâts partout, moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça.
Je suis fatiguée, on ne gagne plus rien. Moi, je suis fatiguée, oh. Bébé, écoute, t'inquiète pas. Aie confiance en moi, sur mon genre. T'inquiète pas, on va avoir un autre plan, quoi. On va faire mieux. Et t'inquiète pas, on va avoir l'argent pour se marier aussi. Et on va quitter de cette jungle. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça maintenant? T'inquiète pas. Rien du tout. T'inquiète pas. On va réussir aussi. Tu as compris? T'inquiète pas, d'accord? Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Salut. Ouais, c'est qui ça? Bonjour. Bonsoir, je suis là par rapport au poste vacant que j'ai vu ici. Oh, ce n'est plus valable. Oh mon Dieu. Et pourquoi vous avez laissé ce n'était pas mieux de retirer cela et de jeter dans la poubelle? Mais calme-toi, champion. Je dis que c'est plus valable. Tu racontes quoi? Ce n'est plus disponible. Et pourquoi avoir laissé cette affiche ici? Mais champion, qu'est-ce qui ne va pas avec? Tu as quoi dans la tête même, toi? Si tu avais un peu de sang, tu aurais pensé à enlever ce truc d'ici. Chef, pardon. Va loin. Prends ton corps et va loin. Dégage. Je te dis que c'est plus valable. Tu parles beaucoup comme ça. Tu es un homme frustré. C'est toi qui es frustré. Tu es frustré. Chef, pardon. C'est quelque chose qui n'est même pas disponible. Je vais retirer cela d'ici. De là, pardon. Peu importe. Ce gagné, tu vas passer toute ta vie à ouvrir, à fermer les portes. Voyez encore cette chose ici alors que tu voulais l'avoir déjà jetée. Chef, quitte ici. Quitte ici, pardon. C'est quand même ton problème, toi. N'importe quoi. Aïe, mais qu'est-ce qu'il a envoyé ici, ce monsieur bizarre là? Va loin, pardon. Grande sœur. Ouais. Ton téléphone sonne. Qui c'est? Maxwell. Hey, salut. Salut. C'est Maxwell. Je sais. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Honnêtement, j'attendais ton appel. Je suis désolé par rapport à cela. Je suis à la recherche d'un nouveau job. Oh non, ce n'est pas grave, je comprends. Tu sais que tu ne devrais pas t'inquiéter de la sorte, hein? Puis-je t'inviter à déjeuner demain? Ok. Ok, on se dira demain alors. Ok, merci. Ok, au revoir. Bye. Yes. Oh, c'est juste un ami, une connaissance que j'ai rencontrée à la station de service. Et tu l'invites déjà chez nous? Nanko, ne commence pas. Mais grande sœur, on n'a pas fini de parler, non? Rien. Qui est Maxwell? Si tu veux m'aider, mets ce téléphone en charge pour moi. Hein? Dans le nom de Dieu, où penses-tu venir à cette heure? Je viens de chez mon ami. Et tu n'as pas pensé à dire que tu partais de la maison la nuit dernière? Je n'ai pas d'explication pour ça. Je n'avais pas pensé rester là-bas au lendemain. Vraiment? Frère, s'il te plaît, laisse tomber. Laisse tomber tout ça. Je suis vraiment désolée. Mais attends, grand frère. Tu ne vas pas au service ce matin? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu n'es pas en suspension pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps au service. J'ai été renvoyé. Renvoyé? Pourquoi? J'ai eu des soucis avec les clients et le manager m'a viré. Très injuste de leur part, hein?
Oh, ce on ne peut pas... Pour combien de temps tu es dans ce service? Hey, grand frère, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? J'espère que la faim ne va pas nous tuer. Tu devrais aussi aller la bousculer. Tu es un être humain. Je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit que je vais pas... Je dois dormir. J'ai passé une longue journée. Je dois dormir. Pousse-toi, non? Un instant, j'arrive. Hey! Oh, entre. Oh! Bienvenue. Bienvenue chez moi. Wow. S'il te plaît, assieds-toi. Vous êtes mes œuvres vraiment magnifiques. Fais comme chez toi, assieds-toi. Wow. J'espère que ça n'a pas été vraiment difficile de retrouver la maison. Non. Ok, j'étais en train de cuisiner avant que tu n'arrives, donc je suis juste arrivée au même moment, donc laisse-moi finir rapidement et je te reviens, d'accord? Aucun souci. Ok. Voilà. Je sais que tu aimes les choses avec beaucoup de sucre, donc voilà, fais comme chez toi. Et si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe, je serai dans la cuisine. Hmm? Honnêtement, actuellement, je suis vraiment épuisé. Excusez-moi, mais... Qui êtes-vous? Maxwell. Et? Je suis venu voir Marie. Et? Fait à manger à la cuisine. Et elle est mon amie. Tu sais que tu peux manger doucement, non? La nourriture est là, devant toi, ça ne va pas fuir. Donc mange doucement. Hey, Marco. Grande sœur, il mange comme un prisonnier. Arrête tout ça. Gars, écoute, vas-y doucement, d'accord? Vas-y doucement. Vas-y doucement. Ça va? Tu en veux plus? J'ai fini celui-ci, je vais prendre encore un autre. T'inquiète pas, il y en a encore. Merci. Merci beaucoup. Arrêtez-moi ça, j'ai dit. C'est caché malou qui n'est à tout tout ça. Dieu te bénisse. Merci. S'il te plaît, pour moi c'est pas le juste, c'est de l'eau. Nous pouvons échanger. C'est bon. Tu ceci peux encore te resservir si tu veux. Fais comme chez toi. Fais comme tu veux. Thank you.
Salut. Une belle demoiselle comme toi ne doit pas être arrêtée au bord de la route en ce beau jour. Je ne pense pas qu'on prend le même chemin. Oh, où tu vas, bon je vais. S'il te plaît, monte. En tout cas, merci pour l'aide. Je t'en prie. Mais tu ne m'as pas dit ton nom. Hein? Eh bien, mon nom c'est Samuel, mais mes amis m'appellent aussi Samy. Je m'appelle Nanko et mes amis m'appellent Nanko. Quel nom? Enfin bref, j'aimerais aussi avoir ton numéro s'il te plaît pour te joindre, tu sais, si tu vois pas d'inconvénient. Samy, n'est-ce pas? Ouais. Sam, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille à la cour. Oh, tu es un greffier. Ouais. Intéressant, je vois. Juste par curiosité, si je te dis oui, comment tu comptes me gérer avec ton travail de greffier? Qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Laisse-moi t'expliquer ça d'une manière simple. Tu sais quoi? Tu es loin. Tu es tellement loin d'être à mon niveau. Donc, tu ne seras pas capable. Tu ne peux pas me gérer, d'accord? Donc, mais je vais faire ça pour toi comme tu es tellement gentil. Ça te dit quoi si on refait ça encore? Tu me prends, tu me déposes. Tu vois ça comment? Merci. Grande sœur, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Pas maintenant, s'il te plaît. Je suis occupée. Mais je ne veux pas prendre beaucoup de temps. S'il te plaît. Ok, vas-y. C'est par rapport à Maxwell. Qu'est-ce qu'il a fait, Maxwell? Grande sœur, le gars est fauché. Ce gars est vraiment pauvre, ça se voit même sur lui. Nanko, donc tu ne cesseras jamais de voir les gens au travers de ce qu'ils possèdent? Je ne veux rien comprendre. Maxwell est mon ami, d'accord? Et je lui ai donné l'autorisation de venir ici quand il veut. Tu le verras ici très souvent, donc tu vas devoir t'y faire. Mais grande sœur... J'ai dit arrête-moi ça. Ça suffit. Grande sœur, ce gars est très pauvre. C'est ça. Il est pauvre. C'est mon ami. Tu as l'argent. Tu as besoin d'un gars qui a l'argent. Conseillère spéciale. Ministre des conseils nationaux.
Oui. Et je suis là pour voir votre sœur. Elle n'est pas là. Elle m'a appelé, elle sait que j'allais venir. Monsieur, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit elle n'est pas là. Oh. C'est bon, pourrais-je l'attendre jusqu'à ce que... Non, tu ne peux pas l'attendre. Elle n'est pas là. Retourne et pars. Ah. Je pensais qu'elle serait déjà là. Qui c'est à la porte? S'il te plaît. Salut. Hey. J'étais en train de faire le ménage et j'ai entendu des voix. Je me suis dit... En fait, j'étais en train de sortir pour faire des courses pour la maison. Tu veux venir avec moi? Ok, on y va. Sœurette, nous ne sommes plus à l'aise avec le fait que Maxwell nous visite dans cette maison. Pourquoi? Parce que ce gars est un moins que rien. Il est là que pour ton argent. Il est un parasite. Il prend sans jamais rien donner en retour. Et il mange trop. Oh. Est-ce que tu sais au moins qu'il se comporte comme ça parce qu'il a perdu son travail? Oh, Sœurette, ne sois pas naïve. Hein? Maxwell, c'est un prédateur, tu sais. Et si tu ne fais pas attention, tu seras sa proie. Ah, il va te prendre. Maxwell est une personne très humble. C'est une bonne âme. Il a bon cœur. Sœurette, tu dis ça juste parce que tu ne comprends pas vraiment. Il est humble parce qu'il est fauché en fait. Tous les pauvres là sont humbles, tu sais. Sœurette, essaie juste de comprendre ce que je veux dire, tu sais. Je m'inquiète pour toi, hein. Je m'inquiète pour toi. Tu sais, un gars comme Maxwell ne te mérite pas, tu sais. Tu es raffiné et tout. Mais lui, il n'a pas de manière, il connaît rien, il connaît rien du tout, ce gars. Je t'ai entendu. Maintenant, va prendre un bain, s'il te plaît. Depuis que tu es arrivé, tu ne fais que parler de Maxwell. Le repas est déjà servi. Oh, ok. Merci, Sœurette. Comment était ta journée? C'était bien. Excusez-moi, salut Miss. Comment est-ce que vous allez? Bien. Je peux avoir un instant avec vous, s'il vous plaît? C'est à vous que je parle. Mon nom, c'est Sari. Oh, désolé. Je t'ai vu de loin, je t'ai aperçu. Vraiment, tu m'as tapé dans l'œil. J'aimerais qu'on devienne amis quand même. Amis? Oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh. Pour le moment, je fais rien. Je travaille dans une banque, mais bon, j'ai perdu mon emploi, donc je fais des calculs. Oh, donc tu es un chômeur. Mais au lieu de chercher du travail, tu cherches de l'amitié. Ok.
Alors dis-moi, comment tu comptes gérer cette amitié si cela arrive? C'est pas pourtant dit que ça va arriver. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, mon cher, regarde-toi de la tête aux pieds. Maintenant, bouge. Bouge. Maintenant, regarde-moi. Tu ne vois pas une différence? Je suis très loin d'être à ton niveau. Tu vois les filles qui se promènent dans la rue. Elles sont à ton niveau. Tu appartiens à ces niveaux. Alors, cherche-toi un travail. Arrête de chercher les femmes. Grande sœur, tu es toujours là? Tu es vraiment insolente. Dégage. Oh, un moins que rien. Je n'ai pas aimé ta façon de parler à ce jeune homme. C'est vraiment méchant. Grande sœur, ce gars ne travaille pas, c'est un chômeur. L'homme riche va te perdre un jour. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu viens d'embarrasser ce jeune homme et tu t'es carrément foutu de lui. Grande sœur, est-ce que tu as vu ses chaussures? Ses chaussures même disent tout. Il a besoin d'une prière sérieuse même pour ses chaussures. Arrête de juger les gens avec leur apparence. On ne sait jamais. Nul ne connaît demain. Demain c'est mardi. Ça va. J'en ai fini avec toi. Je viens avec toi. Fais ce que tu veux. Tu es là, tu parles. Combien as-tu dans ton compte en ce moment? Rien. Salut. Hey, salut. Et comment tu vas? Je ne vais pas très bien. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose dont on pourrait parler au téléphone. D'accord, j'arrive dans un peu de temps, ok? Oh non, ne t'inquiète pas, juste envoie-moi ton adresse et j'irai te rejoindre. Je te l'envoie tout de suite. Ok, ok, pas de problème. Ok, je t'attends. Qui est là? Une seconde, j'arrive. Marie. Assieds-toi. Comment tu vas? Quel est le problème ici? Tu allais troubler. J'ai pris une mauvaise décision d'investissement. J'ai investi tout ce que j'ai et tout ce qui porte mon nom à impliquer dans cette transaction. Je risque de tout perdre. Désolé. Je suis désolé, tu devras te calmer. Mais la vie, c'est un challenge. Rappelle-toi. Chaque chose a son temps. Que diront les gens? Maxwell, je suis en train de perdre tout ce que j'ai travaillé pour avoir. Et je n'ai personne à qui me confier. Je sens que je perds toutes mes forces. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Il faut croire. Je crois qu'il y a encore de l'espoir si tu tiens le coup. Tu penses? Oui. D'accord. Merci. Désolé. Tu veux les arachides? Je veux boire de l'eau. Désolé. Ça va aller. Tu dois prendre quelque chose. Tu peux pas rester sans manger et sans boire. C'est pas bon pour la santé. S'il te plaît. Tout ira bien dans l'avenir. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Thank you.
Sœurette. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème exactement? Sœurette, parle-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle a des problèmes financiers. Problème d'argent? Sœurette, parle-moi s'il te plaît. J'ai fait un mauvais investissement. J'ai investi tout ce que j'avais à mon nom et aussi les prêts que j'ai contractés auprès des d'autres personnes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai vraiment pensé que c'était un bon deal. Je n'ai plus rien, plus de bien. Je suis en train de tout perdre. J'ai déjà tout perdu. Je ne sais pas comment gérer toute cette affaire. Je suis perdu. Alors qu'est-ce que tu osais me raconter là? Mais comment peux-tu être stupide comme ça, toi aussi, ma soeur? Comment tu peux être aussi négligente? Une vraie femme d'affaires raisonnablement doit faire une étude du terrain avant d'investir ou bien. Oh. Mais non, tu me déçois quand même, mes sœurettes. Oh! Voilà, tout est fichu. Tout est fichu, là. Oh, enfin bref. Faut que tu trouves une solution pour te sortir de ce merdier, là. D'accord? Parce que je ne vais pas utiliser mon salaire pour prendre soin de quelqu'un ici au... Grande sœur, il n'y a plus de provisions dans cette maison. Tout est fini, grande sœur. Il n'y a plus de provisions dans cette maison, même pas un coro de riz. Grande sœur, moi j'ai faim. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est tout ce qu'on peut se permettre en ce moment. Sœurette, je comprends que tu passes par des moments difficiles, mais qu'est-ce que tu espères qu'on fasse? Ouais, dis-moi, comment on fait alors? On peut pas rester dans cette faim. Hein? Grande sœur, moi je peux pas manger ce genre de trucs. Je suis fatiguée de manger ce genre de trucs. Envoie l'argent dans mon compte, comme ça j'irai au marché. Une chose encore. Il y a l'avocat qui est venu hier qui te cherchait en fait. Donc j'ai dit que pas là et qu'il passe après. Je n'ai pas d'argent. Je suis sérieuse. Si j'avais de l'argent, est-ce que je serais en train de manger ceci? Je n'ai rien, plus rien dans mes comptes. Si vous avez une solution, je vous écoute. Sœurette, ce n'est pas moi qui t'ai conseillé de jeter tout ton argent dans cet investissement. Donc, maintenant que tu as la tête sous l'eau, n'essaie pas de me mettre, ne m'implique pas là-dedans. T'inquiète pas, je le sais déjà. Grande sœur, regarde. Ne me mêle pas à tous ces trucs. Ne me mêle pas à ça. J'ai mes propres problèmes. Je ne peux pas continuer à manger du pain et de l'eau. C'est tout ce que toi tu connais. Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Nanko. Laisse-moi te rappeler. Grande sœur, bon après-midi. Donc tu es là pendant que la maison est dans cet état. Grande sœur, j'étais tellement fatiguée. Trop fatiguée pour nettoyer la maison dans laquelle tu vis? Regarde-moi ça. Tu as même mangé et laissé les assiettes comme ça. Et si je venais avec un visiteur? Grande sœur, s'il te plaît, ou s'il te plaît. Je ne suis pas ta ménagère. Ne me parle pas de cette façon. Si tu vois que l'endroit est sale, il faut la nettoyer toi-même. Hey, Nanko! Lève-toi maintenant et nettoie-moi cet endroit. Est-ce que c'est un ordre? Oui, c'est un ordre. N'ose plus jamais élever la voix encore sur moi. Je ne suis pas ta ménagère et je ne suis pas la cause de tes problèmes. Va chercher la cause de tes problèmes et arrête de verser ta colère sur moi. Au fait, arrange cet endroit.
Nako. Danjuma, il n'y a rien à manger dans la cuisine. Qu'est-ce que je mange, moi? Désolée, grande sœur. On a oublié. Parce que je ne savais pas que tu allais avoir faim. Désolée. De quelle nourriture est-ce qu'elle parlait? Celle-ci. Je lui ai demandé de l'argent pour faire la cuisine. Elle m'a dit qu'elle n'a pas l'argent et elle veut manger. Viens manger, je vais voir. Eh bien, si elle participe, elle va manger, mais si elle ne le fait pas. Elle va rester sans manger. Sans manger. Elle n'a rien vu encore. Vraiment, elle n'est pas croyable, ta soeur là. Bienvenue, assieds-toi. Tu as parfaitement raison. Je ne t'ai pas payé parce que l'argent n'est pas venu. Je t'en prie, comme je l'espérais, je t'en supplie. Écoute-moi, ce n'est pas dans mes habitudes, tu sais, mais donne-moi encore un peu de temps et je te paierai tout ce que je te dois. C'est vrai. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. C'est juste que j'essaye depuis... Vraiment, je vais trouver l'argent et je te promets que quand je vais trouver, je vais te rembourser. Je te promets. Je t'en prie, comprends-moi, hein, s'il te plaît. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Sœurette, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? C'est quoi le problème? Je lui dois de l'argent. Tu la dois? Merde, mais de combien on est en train de parler ici? 5 millions. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Sœurette! 5 millions de naira. Comment elle peut payer? Kendimon, réchi en calico? Bora oba. Bora oba. La chine kuma ana bugamana ganga. Wallahi ta lahi wana ana bugamana ganga kiena. Gangan tashiga. Je vais l'aider. Nanko. Gangan nanda aka bugamana yashiga. Wallahi wana yashiga. Bora oba. Aina gani disco dinga. Je comprends. Sœurette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu as pu investir dans un business, même sans avoir fait une bonne étude du truc d'abord même? Sœurette, pourquoi tu agis comme une illettrée? De toute façon, ça vaut pas la peine de frapper un cheval mort. Mais Sœurette, faut que tu nous dises, pour nous maintenant, comment ça va se passer? Dis-moi. Tu as un plan à suggérer? As-tu un plan? Non, pas que j'ai un plan, mais j'ai... Quoi? Oui. Comment est-ce que tu peux suggérer cela? D'ailleurs, je n'ai plus rien à mon nom. Je suis sérieuse quand je dis ça. Tu sais que je n'aime pas cela. Grande sœur, calme-toi. On essaie juste de t'aider.
Je veux dire, quelle est l'importance d'avoir tous ces trucs alors que tu dois aux gens? Ça n'a pas de sens. Donc dis-moi, quoi ça sert d'avoir tous ces biens, être endetté? Donc vendons quelques-uns. Vends un ou deux, comme ça tu auras la paix du cœur, tu auras la paix de l'esprit aussi. C'est simple. Je n'ai rien à vendre. La voiture. Oui, voilà, comme ça quand les choses vont être en ordre, tu peux encore payer autre voiture. S'il te plaît, sortons de cette situation. Oui, c'est une bonne idée. La voiture peut nous... Enfin, je veux dire, ouais, ça peut nous rapporter au moins 2,5 millions ou bien 3, carrément. De quoi parles-tu? Cette voiture m'a coûté 6 millions. Enfin, 6 millions 200 000 naira. De quoi est-ce que tu parles? Arrête, tu ne comprends pas. Partout, c'est chaud actuellement. Le pays est vraiment cher. Tout ce que tu peux faire actuellement, c'est de prier même que quelqu'un soit là, que tu aies un client, quelqu'un qui a le cash déjà, le cash liquide. Hein? Oui, mais je ne vendrai pas cette voiture à moins de 4 500 000 naira. Au moins 4 millions. Comment? D'accord, grande sœur, c'est compris. Dans du mal, cherche quelqu'un qui peut payer ça. De n'importe quelle manière, juste pour qu'on sorte de cette situation, s'il te plaît. Ok. Je vais essayer. Entrez. La porte est ouverte. Salut. Ah, oh, c'est toi. J'ai eu à t'appeler mais tu n'as décroché pas. J'étais également envoyé des messages. Désolé, j'ai vraiment la tête remplie ces jours-ci. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu la plus grande honte de ma vie ces jours-ci. Où? Comment? De qui? Il y a une personne à qui je dois de l'argent. Et une autre avec qui j'ai pris de l'argent pour investir qui ont fait un scandale. Ils ont fait un gros scandale pour que je leur rembourse. La semaine prochaine est mon dernier délai. Combien lui avais-tu emprunté? On parle de 5 millions de naira. Waouh! C'est beaucoup. À propos de tes frères, ils ne peuvent pas t'aider. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour m'aider. Je souhaiterais t'aider, mais je suis handicapé là maintenant. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu l'aurais fait si tu en avais. Ta présence ici est plus qu'importante. Alors, quelles sont tes intentions? Je compte vendre ma voiture et utiliser l'argent pour payer au moins une dette. Après cela, je verrai comment avoir encore de l'argent pour payer les autres. Il restera enfin l'argent de l'avocat. En dernier. Je suis désolé, mais as-tu mangé? Je n'ai même pas l'appétit pour manger. Mais tu dois manger quelque chose. Je peux te prendre quelque chose à manger. Ok. Je n'en ai pas envie. Désolé. Allô, mon amour. Mon joli cœur, bébé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bébé, moi, ça va, je vais très bien. Le simple fait même d'entendre ta voix, ça me donne la santé. Oh, vas-y, bébé. Tu sais que je ne suis pas bon dans les choses de devinette, là. Donc, tout ce que tu veux me dire, dis-moi, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Ouh! Vraiment. Je suis content pour toi. Je suis vraiment content pour toi, bébé. Tu reviens bientôt? Bientôt comment? Oh, oh, oh. Maintenant, je comprends bien. Hein.
Tu voulais me faire une surprise, hein, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu voulais faire, hein? Haha! Ne t'inquiète pas, bébé, ne t'inquiète pas. Je vais te donner, hein, la plus grosse surprise du siècle. Tu verras. Ne t'inquiète pas, lorsque tu vas venir, tu vas voir ça de tes propres yeux, hein. Je ne peux pas attendre de te voir, mon bébé. Je suis impatient comme ça. Mon joli cœur, tu sais, je t'aime. Je t'aime. Oh, je te fais plein de gros bisous, mon amour. Tu avais compris que ce gars venait en fait acheter quelque chose. Tout d'un coup, nous avons eu un big bang. Et nous sommes retournés, c'était verrouillé avec la musique. Nous avons vu quatre petits garçons. Ils sont venus comme ça. On fait ça. C'était... Tu ne ris pas, c'était pas amusant. Non. Oui, j'ai compris que ce n'était pas contre moi. Hey! D'où viens-tu? J'essaie de te joindre depuis ce matin et tu es injoignable. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Tout s'est passé très bien, ma soeur. Ah, tu peux vendre la voiture? Eh bien, j'ai parlé à un frangin qui m'a donné le contact d'un gars qui deal avec les voitures et tout. Et le gars en question a acheté, il a acheté la voiture. Oh, wow. Ok, mais je n'ai rien reçu dans mon compte. Je vais juste transférer l'argent dans ton compte. Ok, mais à combien est-ce que tu l'as vendu? 1,2 million de Naira. 1 million, quoi? Tadjuma, pourquoi ferais-tu cela? Serette, qu'est-ce que tu racontes là? De quoi est-ce que tu parles exactement? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est le montant que la personne qui voulait acheter la voiture avait, donc... Et tu n'as pas pensé à me faire signe d'abord? Serette, j'étais vraiment serré. J'avais pas trop d'options, donc j'ai pris ma décision. Sans mon consentement! Serette, il s'agirait d'être un peu reconnaissante, considérant que j'ai trouvé un acheteur pour ta voiture dans si peu de temps. Et je dois être reconnaissante maintenant! Tu viens juste de donner ma voiture en cadeau à quelqu'un que je ne connais même pas. Maintenant, je ne peux même plus utiliser cet argent-là pour rembourser mes dettes. Je n'ai plus de voiture. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes, Tadjuma? Abba, serait Abba, 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 wow, Abba, Abba. Tiens, oui. Moi, je te comprends pas. Je te comprends pas, hein? Tu cries sur moi après tous les efforts que j'ai déployés pour vendre ta voiture, là. Attends, mais je croyais que je t'aidais, mais tu... Toi-même, si c'est une injure, depuis quand tu veux m'aider? Regarde, Tadjuma, je ne veux plus vendre cette voiture. Enfin, bref. Demain, là. Ramène-la-moi, Tadjuma. Regarde. Et je parle, il s'en va. Oh, Seigneur. Seigneur. Non, 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 je ne veux pas qu'il me ramène ma voiture. Tadjuma, reviens ici. Ramène ma voiture. Seigneur. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Oh mon Dieu. Maître. Bonjour, Maître Doris. Oui, on me l'a dit. Je cherchais juste le bon moment pour vous appeler. Maître, les choses sont difficiles pour moi en ce moment. Je ne sais même pas par où commencer pour vous expliquer tous mes problèmes. Donnez-moi juste un peu de temps. Je vous en prie. Je sais. Écoutez, je vous paierai dès que j'ai de l'argent. Je vais vous payer. Grande sœur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que tous ces problèmes deviennent maintenant trop... Ah.
Salut, grand frère. Ah! Rita, d'où viens-tu? Ces deux derniers jours. Je n'étais pas à la maison. Cela n'est pas la réponse à la question. Oh, grand frère. Je ne suis pas un enfant. Pardon. Arrête de me traiter comme... Tu as dit comme un enfant? Il est temps que tu fasses carrément face et tu prennes tes responsabilités en main. C'est quoi tout ça? Quoi qu'il en soit, je sors, prends soin de la maison. Où vas-tu? Oh, laisse-moi deviner, tu vas chez Mary. Qu'est-ce qui te fait penser que je pars chez Mary? Oh, arrête! Si tu as besoin de la joie, à un moment donné. Je ne vais pas chez elle, je vais chercher un nouveau boulot. Quand j'ai perdu mon boulot, Mary nous a soutenus. Maintenant, elle a des problèmes financiers. Concernant ses frères, ils ne peuvent pas aider? Je ne pense pas que son frère, ça se pose des moyens financiers pour l'aider maintenant. Ok. Mais attends, qui va employer un type d'homme comme toi? Moque-toi. S'il te plaît, je m'en vais. Bonne chance, ok. Grande sœur, bon après-midi. Bonsoir. Alors, je t'ai entendu la soirée passée dire que tu veux vendre certains de tes trucs. Et j'ai pris mon temps pour chercher quelqu'un qui peut acheter ça. Et par chance, j'ai pu trouver quelqu'un qui peut tout acheter. Oh, ok. Qui est cette personne? Je la connais? C'est pas quelqu'un que tu connais. Et elle m'a dit de la porter ça. Ah, ok. Oh, peut-être qu'elle peut venir ici à la maison pour décider d'elle-même. Elle pourra choisir librement ce qu'elle veut. Elle est une femme qui est tellement occupée, donc elle ne peut pas laisser sa boutique seule. Donc, c'est pourquoi je dois la porter ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais les préparer et te les D'accord. remettre. Bon travail. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Oui, Chris, j'appelle pour ce que tu sais. Est-ce que tu as pu voir quelques maisons là? Chris, écoute, j'ai besoin de cette maison là rapidement. D'accord? Je ne veux pas n'importe quelle maison, tu sais. Je veux quelque chose de mon rang, quelque chose de mon statut social, tu vois. Quelque chose qui me reflète, tu vois un peu. D'accord? Oui, ce genre de truc là. Donc, tu sais quoi? Envoie-moi trois options, comme ça je vais faire mon choix. Oui, envoie-moi trois options, s'il te plaît. D'accord, s'il te plaît, Chris, j'ai besoin de ces appartements-là rapidement. D'accord? Très bien, merci. Tajuma, Nako, où est-ce que vous allez? Ne me quittez pas. Non, je crois qu'en tant qu'une famille, nous allons trouver une solution à ce problème. Ce n'est rien de grave. Si nous restons ensemble, nous allons forcément trouver une solution. Ne me laissez pas. N'oubliez pas ce qu'on a vécu. Nous avons commencé de rien, sans parents. Grande sœur, je suis désolée, mais tu dois gérer ces problèmes toi-même. On ne peut pas couler dans ce bateau avec toi, je suis désolée. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi même sortir quelque chose comme ça de ta bouche? Qu'est-ce que tu connais, toi? D'ailleurs, où vas-tu vivre? Il y a une de mes amies qui a accepté de nous héberger, donc nous deux, on va aller se débrouiller là-bas. Oui, mais sœurette, le truc est qu'on ne peut plus continuer de rester, on peut plus rester ici en fait. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est vraiment une insulte et c'est embarrassant pour nous, franchement, on est fatigué. Ah, Tajuma, toi le plus âgé qui devrait la raisonner. Vous ne pouvez pas quitter la maison de cette façon. Si on parle de partir, nous devons même quitter la maison ensemble. Ah, grande comme sœur. Une famille unie. Non, grande sœur, mon ami essaie juste de nous aider. Donc, je ne peux pas amener trois personnes à la fois.
Ngo, si tu ne veux pas partir, moi je m'en vais. Hein. D'accord? Moi j'ai déjà pris ma décision, donc vraiment je suis désolé ma soeur. Je suis désolé. Tu m'en vas pas ensemble. Tu es celui-là qui devrait la conseiller pour changer d'avis. Mais c'est toi qui l'a conduit. Sœurette, hein? Vraiment désolé. Grande sœur, tu iras bien. Ton petit ami viendra te visiter de temps en temps. Nous aussi on va venir te visiter à chaque fois. Je suis désolée, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Au revoir. Allô? C'est quoi ça? Ok, calme-toi, je serai là dans un peu de temps. Ok, j'arrive maintenant. Ok, je serai bientôt là. C'est quoi? Quel est le problème? Tu vas bien? Ils sont partis. Laissé? Qui t'a laissé? Nanko et Danjuma, ils m'ont abandonné. Pourquoi ils t'ont laissé? Vous avez eu des problèmes? Non, ils ont rangé leurs affaires et ils ont quitté la maison. Ils m'ont laissé. Nous sommes une famille. Ils sont partis. Écoute, c'est bon. Non, ça ne va pas aller. C'est toute ma famille, c'est tout ce que j'ai. Je les ai connus depuis qu'ils sont au monde. Je ne connais personne d'autre et ils me font ça. Je ne comprends rien. C'est bon. En fait, je crois que c'est moi le problème. Je n'arrive pas à rien. Je ne peux rien garder. Je finis par perdre éventuellement tout ce que j'ai. Les biens, les personnes qui sont autour de moi, je ne mérite rien. Je ne suis pas une bonne personne. Ne dis pas ça. Je pense que je suis un échec. Tu n'es pas un échec, ok? Ne dis pas cela. Mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Tu n'es pas un échec. Je suis là avec toi. Et on va traverser tout cela ensemble. Crois-moi. Tu dois juste avoir confiance en toi. Crois-moi. Ok. Ok, d'accord. Ça va aller. Viens ici. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non, je n'attends pas quelqu'un. Allô? Est-ce que tu as dépassé cet endroit? Oui, la maison à l'étage. Oui, c'est ça même. Juste conduis, la porte est ouverte. Conduis. Ok, bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi non. Oh mon Dieu. Ok. Nago. Oh mon Dieu. Waouh. Tadjuma, mon bébé est là. Je suis perdu. C'est ma voiture. Ceci est la mienne. Oui. Comment ça?
Qu'est-ce que tu veux dire par comment? Je travaille non tout, j'ai acheté pour moi. C'est ta voiture? Oui. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment très bien ça. Ça l'est. Wow, 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 c'est vrai, je suis vraiment content pour toi, tu sais. Merci. En tout cas, félicitations à toi, hein. Félicitations oh, à toi. Wow, wow, wow. Oh. Oh mon Dieu. Allô, Serret. Hey, Danjoma. Comment allez-vous? J'essaie de vous joindre depuis. Comment est-ce que tu vas? Chez nous, nous, on va bien. J'espère que vous n'avez pas oublié mon anniversaire demain. Oh, désolé, vraiment, Serret. Désolé, ça m'est sorti de la tête complètement. Donc, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, grande sœur. J'ai une surprise pour toi. D'accord, merci. D'accord. Je suis impatiente de voir ce cadeau alors. Ok. Oh mon Dieu. Danjuma, c'est ma voiture. C'est bien. C'est bien. C'est ma voiture. C'est ma voiture. En tout cas, c'est une super voiture. Oh mon Dieu. C'est vraiment une belle voiture, hein. Une surprise? Une surprise? Oh! Vous savez que j'aime les surprises, hein? Waouh! Waouh! Qu'est-ce que je vois? Vous m'avez acheté une voiture? Oh, je suis sans mots! Je n'ai plus rien à dire! C'est formidable! C'est tellement beau! En fait, je n'aurais jamais imaginé que vous me feriez ce genre de cadeau! Je suis émue! Merci. J'aurais préféré que vous me donniez l'argent compte tenu de la situation, mais ça va. J'aime quand même la voiture. J'aime tellement, c'est beau, il n'y a rien à dire. Grande sœur, ceci est actuellement ma voiture. Oh, ok. Oh, c'est ta voiture. Waouh. Mais on a un autre cadeau pour toi, sœur. C'est logique quand on envoie des cadeaux, bien sûr. Ah. Oui. Oh, ok. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sœurette. Joyeux anniversaire. Non, ce n'est pas là ma médaille. Ça faisait partie des bijoux que tu devais vendre à ta connaissance. Je le reconnais. C'est mon bijou. Regarde bien. Je pense bien que c'est le mien. Ceci n'est pas pour toi. Je veux dire, comment ils peuvent faire ça seulement pour toi seul? Ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut retourner à l'anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marie, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à la femme la plus forte que je n'ai jamais rencontrée dans la vie, une femme avec un cœur si fort, celle que aucun problème ne peut briser. Joyeux anniversaire. Et c'est quoi le problème? C'est ton anniversaire, tu peux être triste. Crois-moi, il n'y a rien à célébrer. Quand je pense aux événements récents, je comprends que ma vie est un désastre. Ma vie n'est devenue qu'une série d'événements remplis de trahisons. Plein de trahisons. Je ne peux pas être heureuse. Je n'y arrive pas. Écoute. Toute chose arrive pour une bonne raison. Tu dois être forte. On va traverser cette étape ensemble, je te promets. C'est bon. D'accord. À partir de maintenant, tu peux me donner ce magnifique sourire. Bon anniversaire, oui. Merci beaucoup.
C'est bon. Tu es magnifique. Running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Jimfa! Ah ah! Ah de la manière que tu es tellement content là, y'a quoi? Nako, je suis vraiment très content, je suis très heureux. Enfin, je suis même sur la lune. JK Wata, ma copine, elle vient demain. Ah bon, tu es sérieux? Je suis très sérieux, d'accord? Et en plus, donc demain, je vais passer la chercher à l'aéroport, oui. Ok, c'est bien. Naiko. Oui. J'aimerais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais partir, enfin, je voudrais aller la chercher avec ta voiture. Wallahi. C'est bon, je vais te donner la voiture. Je savais que tu allais dire oui. Une dernière chose. Qu'est-ce que c'est encore? Tu sais, j'aime vraiment ma femme là, donc j'aimerais vraiment qu'elle soit vraiment à l'aise. Donc je veux que tu laves tes mains. Oui, lave correctement tes mains et tu prépares un plat vraiment somptueux et délicieux pour elle. Un plat bien aromatisé de telle sorte que même ça, ça passe dans les cieux. Tu veux que je prépare une nourriture délicieuse pour elle? C'est bon, ça c'est pas un problème. Bien sûr, tu vas me donner combien? Ah, mais elle est comme moi-même cette fille là. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de quelque chose, tu rapportes toujours ça à l'argent en fait? Pourquoi? Dis-moi. Regarde, tu es ma soeur et moi je suis ton frère. Hein? C'est censé être une chose de famille. Pourquoi tu rapportes ça à l'argent? Et alors, où est mon problème là? Bon, ok. Je vais te donner quelque chose, un peu quelque chose. Mais tu dois gérer vraiment ce truc là. Ce truc d'argent là. Oh, j'aime trop l'argent. J'aime. L'argent fait avancer le monde. Donc j'aime l'argent. Tu veux que je t'aime toi? Nako. Elle va me tuer cette fille là. Tu aimes vraiment l'argent et tu rapportes quoi? Wow. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Mon sucre. Ma banane. Bonne arrivée. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma maison. Waouh, voyons qui nous avons ici. Salut Sonia, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Oh. Nanko. Dis-moi, est-ce que tu vois pas la belle perle que j'ai en face que moi, enfin, à côté de moi là? Elle est actuellement très jolie, si je dois être honnête. Mais dis ça encore. Dis-moi comment elle est belle. Elle est belle comme une fille. Oh, oui, bien sûr, elle est. Comment était ton vol? Ok, de toutes les façons, maintenant que tu es ici, on a beaucoup à se dire. Pas si vite, demoiselle. Comme tu peux le voir, ma femme ici... Je pense que ce dont elle a besoin actuellement, c'est d'une bonne douche et enfin, après, elle aura peut-être un bon plat comme elle veut. Et enfin, elle va revenir ici, vous allez discuter comme vous voulez, la discussion des filles, je sais pas. En tout cas, tout ce que vous voulez, vous allez parler. Ok, je t'ai entendu. De toutes les façons, le dîner sera prêt dans quelques temps. Oh. Je crois que c'est mieux qu'elle vienne dans ma chambre avec moi, qu'elle me suive ou bien un bébé. Allons-y, s'il te plaît. Ah ouais, tu vois,
J'ai plusieurs endroits à te faire visiter. Je dois t'emmener dans un coin, franchement. Trop bien, tu verras. Es-tu sérieuse? Waouh! Ça, c'est bien! De toutes les façons, maintenant que tu as fini avec les cours, qu'est-ce que tu vas encore faire autre? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Waouh! Es-tu sérieuse? Ah, c'est bien d'avoir les gens dans ces vies. Est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de trouver du travail ici? Tu dois être absolument connecté par quelqu'un, sinon là tu vas juste être à la merci de tout. Tu es chanceuse. Grand frère, bienvenue. Ah ouais. C'est vraiment agréable de voir que vous deux vous faites connaissance. Oui. Bébé, mon sucre à la vanille. Mon cœur. Ma raison de vivre. Je t'aime. Oh mon Dieu, c'est comme du miel. Bébé, viens avec moi. J'aimerais avoir ton opinion sur quelque chose. Fais-moi confiance, hein. D'accord? D'accord? Ok, et toi aussi, Nako. Oh! Viens avec nous. Bébé. Fais-moi confiance. Bébé. Ça, c'est pour toi. C'est ton cadeau pour ton diplôme. Oh mon Dieu! Waouh, wow, merci beaucoup. Dis-moi, tu aimes, n'est-ce pas? Waouh. Oui, c'est pour toi, bébé. Oui. Tu aimes, n'est-ce pas? Ça te plaît, hein? Oui, c'est pour toi, bébé. Viens comme ça. N'est-ce pas la voiture de grande sœur? C'est quelle question stupide ça, hein? Pourquoi c'est quoi? Est-ce que c'est tes affaires, hein? Pourquoi tu es agressif? J'ai juste posé une simple question. Pourquoi tu me poses cette question? Hein? Et si même c'est la voiture de notre sœur Marie? Oui. Kai! Donc c'était toi qui as acheté sa voiture? À quel point tu peux être mauvais? Madame, ne rabaisse pas à ce niveau-là. Ne t'excite pas toi-même. Hein. J'ai payé pour ça, hein. Tu as payé avec une somme misérable. Ah bah, Jinfa. Tu aurais juste la donné l'argent sans prendre sa voiture. C'est quoi exactement ton problème de cette affaire, Nako? Mon problème est que tu devrais aider ta sœur comme tu as l'argent. Ce que tu as fait est tellement mauvais. Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Est-ce que tu n'as pas d'argent, toi? Maintenant, tu vas venir me dire ça, tu vas venir me dévoiler les bons anges, les bons enfants de Dieu et tout. Pas de ça avec moi, ma petite. Non. Maintenant, écoute. Écoute-moi très bien. La prochaine fois, si tu n'as pas quelque chose d'important, me dis, ne m'appelle pas. Va là-bas. Tu es une personne méchante, Jinfa, tu es tellement méchant. Aïe. Je ne peux pas croire ça. Tu es tellement méchant, Wallahi. Tu es tellement méchant. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Ma chérie, le seul truc, c'est que j'aurais aimé venir avec toi, mais tu sais, je travaille. Oh.
Ok. Demain, je vais t'envoyer quelque chose sur ton compte. Donc, j'aimerais que tu achètes quelque chose pour mes parents. Et enfin, je vais aussi appeler un chauffeur pour te conduire dans ta nouvelle voiture. Pour que tu fêtes cela avec eux. Wow, wow, wow. Ça, c'est vraiment bien, ça. D'accord. Kene Dumiata. Ce qui veut dire, tu es mon monde. Timfa. C'est quoi? Qu'est-ce qui te perturbe? Je ne comprends pas, hein. Depuis j'essaie le numéro de Sonia, ça fait des jours maintenant que j'essaie, mais ça ne passe pas, je comprends pas, elle est indisponible. C'est quoi le problème? Je m'inquiète. J'espère que rien ne lui est arrivé, j'espère qu'elle va bien. Enfin, ne parle pas comme ça, je suis sûr que rien de mauvais n'est arrivé. Écoute, elle va te rappeler. D'accord? Je l'espère. J'espère vraiment parce que le numéro ne passe pas. Je te dis, ça ne passe toujours pas. Oh. Mais, est-ce que tu as le numéro d'une autre personne à part sa maman? Tu as le numéro de sa sœur? C'est ça le problème. Je n'ai pas le numéro. Aucun d'entre eux, je n'ai le numéro de personne. Oui, oui. T'inquiète pas, calme-toi. Tout ira bien, je suis sûr que tout va bien. Parle juste pour parler. Tu ne peux pas comprendre, toi. Je l'aime vraiment. Ma vie même dépend d'elle. J'ai besoin d'elle. C'est la moitié de mon cœur. C'est ma moitié, carrément. Tu ne comprends pas ça? Je sais. Mais t'inquiète pas, elle va bien. Compris? Attends, quoi? C'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi tout ça? Oh mon Dieu. Nako, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Une fille pour qui j'ai sacrifié tant de choses m'a fait ça à moi. J'ai fait tellement de sacrifices. J'ai sacrifié tellement de choses pour elle. Et elle m'a fait ça à moi. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Ok. Ok. Non! Ah! Bonjour Allah. On est malade. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je t'aimais, moi. Je t'aime. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tu es en train de te faire? Donne-moi ça. Non. Rends-moi ça! Je fais ce que je veux. Donne-moi cette boisson. Je suis ta sœur et je m'inquiète pour toi. Tu dois arrêter. D'accord. Donne-moi cette boisson. Redonne-moi cette boisson. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Il y a quoi à comprendre? Il y a quoi là à comprendre? Bien, tu as acheté une voiture à une fille. Elle t'a laissé. Elle a épousé une autre personne. Passe à autre chose. D'accord, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas du tout. Tais-toi. J'ai rencontré cette fille lorsqu'elle était en deuxième année à l'université. Et depuis lors, c'est moi qui payais ses études, j'ai pris la charge et la responsabilité pour lui. J'ai géré tout son cursus, c'est moi qui gérais tout. Je l'ai vu évoluer et tout, même en hôpital, tout. J'ai pris soin de sa famille. Sa mère, sa soeur, son frère, tout le monde dans sa famille me connaît. Je voulais juste qu'on m'apprécie. Tout le monde qui m'apprécie en fait dans la famille. Je voulais montrer que j'étais un bon gendre. Souvent même sa mère m'appelle au téléphone et elle me demande certaines choses. Et même si c'est mon dernier billet à un moment précis, je vais lui envoyer tout ça. Juste pour que tout s'écroule comme ça. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle venait, je croyais que tout allait être beau. Je lui ai acheté une voiture. Ça, c'était la voiture de la grande. Mais attends, tu as fait quoi? Comment tu as fait ça? Comment tu as osé? Mais vraiment. L'être humain peut être si méchant. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est grâce à Mary, j'ai vu ça dans... Quoi? J'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça sur Facebook. Calme-toi, d'accord? Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Nako? C'est quoi ça?
Ça veut dire quoi tout ça? Je ne sais pas. Je l'appelle tout de suite là. Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Okay, laisse-moi appeler Maxwell. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, oh mon Dieu. Ce n'est pas vrai. Ah, Maxwell, je viens juste d'appeler le téléphone de ma soeur et elle ne décroche pas. Tu sais où elle est, s'il te plaît? J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu l'as vue dernièrement? Maxwell. Maxwell, parle-moi. C'est quoi le problème? Tu es en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma soeur, Dis-moi. Maxwell, parle-moi, s'il te plaît. Maxwell, parle-moi, non. Je ne peux pas croire que ceci est vrai. Je ne peux pas croire à ça. D'accord. Oh Dieu, ma soeur. Ma soeur. Oh mon Dieu. Tibienne. Grande sœur, grande sœur, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle est à la maison, elle est à la maison. S'il te plaît, où est ma sœur? Arrête! Où est ma sœur? Où est ma sœur? Maxwell, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, s'il te plaît. Où est ma sœur? S'il te plaît, parle-moi. Grande sœur! Maxwell, parle, non. Maxwell. Maxwell, parle. Parle, s'il te plaît. Elle était percutée par un véhicule. Elle est morte sur le champ. Quoi? Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu veux me dire que je ne vais plus voir ma sœur? Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Et pourquoi il a permis que le diable vienne dans notre famille? Faire tout ça. C'est pas vrai. Vraiment, la sœur Marie s'est battue dans le sacrifice pour nous. Pour être là pour nous. Elle s'est sacrifiée pour nous. On lui a rien donné en retour. Je suis désolée. S'il te plaît, reviens. Désolée de t'avoir trahi. Reviens, tout ce que tu veux, je vais te donner. Tu me manques beaucoup, je suis vraiment désolée. Je ne t'ai jamais dit merci. Je ne t'ai jamais dit merci d'avoir été une mère et un père en même temps. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Tu me manques beaucoup. La vie. Je ne savais pas que c'était comme ça que tu étais. Hein, la vie. Tu m'as pas dit que c'est comme ça que tu étais, toi. Où est ma sœur? Mais... où est Mary? Où est ma sœur? Ma sœur, c'est bon. Faut plus pleurer. Je suis vraiment désolée.
Je suis vraiment désolée de n'avoir pas été là quand tu as le plus besoin de nous. Je suis vraiment désolée. For the things you did for me, the sacrifice and tears. Nous allons prendre son corps pour l'enterrement. Juste quand... Non, on ne peut pas faire ça. Et bien après la mort de nos parents, on a quitté là-bas et on est venu s'installer ici depuis. Et depuis ce temps, c'était elle notre parent. Aucun de nos oncles ou tantes de notre famille, personne n'a appelé pour prendre de notre nouvelle. Donc juste pour elle là, c'est non. Max, le truc est que ma grande sœur nous a pris avec elle pour prendre soin de nous depuis qu'on a quitté Josh. Au fait, on n'a pas besoin de beaucoup célébrer. Elle est morte jeune. On ne peut pas l'enterrer au cimetière car cela coûte cher. Quel que soit le prix. Max, comme je te l'ai dit tout de suite, l'argent n'est pas un problème, d'accord? Tout ce que moi je veux maintenant, c'est que ma soeur ait de bons funérailles. Très beaux funérailles, elle le mérite. Elle le mérite vraiment. Oui. Tu sais, Mary était... Elle était vraiment gentille avec nous. Et elle serait aussi vraiment pitoyable si je ne te donnais pas quelque chose, parce que tu étais vraiment là pour Mary. Tu es une personne incroyable aussi. Tu as fait ce que même nous, même ses frères et soeurs, on n'a pas fait pour elle. Donc sur ce, je veux te remercier vraiment beaucoup. Et encore une fois, je dois avouer une chose aussi. Au départ, moi et ma soeur, on pensait que tu étais une mauvaise personne. Donc franchement, on t'a détesté, on te détestait carrément même. Mais maintenant, ces temps vraiment cruciaux, je vois que on avait tort et vraiment on était méchant. Max, tu es une bonne personne. Et nous sommes tous les deux reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Pas de problème. Vous n'avez pas à me remercier. Vous n'avez pas à me remercier, je... Marie était une personne véritablement spéciale pour moi. Max, j'aimerais aussi te demander une nouvelle faveur, s'il te plaît. Tu vois, à cause de la nature de nos boulots et tout, ma soeur et moi, on ne pourra pas forcément être là pour le management des funérailles et tout. Donc, s'il te plaît, on te demande de nous aider avec cela. S'il te plaît, Max. D'accord. Parce que tu as déjà commencé vraiment un bon boulot et continue, s'il te plaît. Et je te promets que n'importe quel montant que tu me dis, je te l'enverrai. Ne t'inquiète pas. Merci vraiment pour tout, Max. Merci énormément. Merci. Max, je vais juste te dire merci pour tout ce que tu fais maintenant. Et pour tout ce que tu as fait pour elle quand elle était en vie. Que Dieu te bénisse. The sacrifice and tears, I have been so ungrateful not to say thank you. It's a message for Mary. Max, en tout cas actuellement je ne peux pas te cacher, vraiment tu as été vraiment un ami très cher à cette famille, franchement. Vraiment merci à toi Max. Alors Max, comment se passent les préparatifs? Les choses se passent bien et... J'ai parlé avec les gardes du cimetière et... Bien sûr qu'on doit payer un espace pour elle. Et il y a différents prix. Et les prix varient entre 1 million, 1 million 500, 2 millions... Jusqu'à même 3 millions d'or. Nous devons prendre une place pour elle. Max, on va prendre celui de 3,5 millions.
Regarde, Max, tu ne comprends pas. Hein. Ma sœur était vraiment une personne incroyable. Elle avait une bonne âme. Écoute, elle ne mérite rien d'autre que le meilleur. Qu'elle ait des funérailles vraiment merveilleuses à la hauteur de son de sa personne. Même s'il le faut, on va faire un cercueil en or pour elle. D'accord? Elle le mérite. Oh, Nanko, ne dis pas d'accord. On se fout du prix, hein, d'accord? Quel soit le prix que tu nous donnes, on va acheter, on va payer. Ma soeur et moi, nous allons donner de l'argent. Alors, Maxwell, comment tu vas? Je m'accroche juste un peu bouleversé. Oh, le pauvre. Je peux comprendre ce que tu ressens là actuellement. Et n'oublie pas de m'envoyer tes coordonnées bancaires pour que je t'envoie quelque chose, s'il te plaît. N'oublie pas. Hein. Et aussi, lorsque vous serez d'accord de l'arrangement, envoie-moi la facture. Comme ça, on pourra payer. Hein? Ma soeur et moi allons payer. Actuellement, on s'en fout du prix, on s'en fout n'importe quel prix. On va payer. Tout ce qui compte, c'est de donner à notre défunte sœur des funérailles grandioses à son image. Merci. Oh non, merci à toi de nous aider. Merci beaucoup. Max, je veux te remercier aussi. Parce que vraiment, tu étais une très bonne âme pour nous. Merci. Alléluia. Alléluia. Bon, avant d'entamer, j'aimerais vous informer que la famille de la défunte a demandé une permission pour vous présenter le dernier respect. S'il vous plaît. Qui est-ce? Maxwell, c'est quoi ça? Où est ma sœur? Je suis juste là. Non, ne courez pas. Restez là, c'est bien moi. Nako, Danjuma, c'est moi. Je me demande pourquoi les gens sont toujours pressés de célébrer la mort des personnes pour qui ils n'ont jamais été présents sur cette terre. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez fait couler des larmes. Des chaudes larmes. Je ne comprends pas toute cette mascarade. Qu'est-ce que vous cherchez? Le regard des autres? Grande sœur, Arrête. Vous m'avez fait croire que Maxwell était une mauvaise personne. Un profiteur. Et vous avez tellement insisté. Grande sœur, bon le gars est fauché. C'est un parasite fini. Même. Il prend sans rien donner en retour. C'est quand même... C'est un croquet de diamant si tu veux. Il est là que pour ton argent. Tu sais qu'il est là pour ton argent. Donc si tu ne fais pas attention, il va te sucer tout. Tellement insisté que j'ai décidé de le mettre à l'épreuve. Sœurette, qu'est-ce qui t'arrive? Que tu trouves un moyen de te sortir de ce pétrin dans lequel tu t'es fourré. D'accord? Parce que moi, je ne vais pas utiliser mon salaire pour payer quoi que ce soit pour qui que ce soit ici dans cette maison. Non, grande sœur, ce n'est pas pour toi. Ça ne peut pas être pour toi. Ils n'ont pas fait ça seulement pour toi seul, quand même. J'ai compris que les vrais profiteurs sont de ma famille. Vous étiez absent quand j'avais le plus besoin de vous.
J'en ai tellement souffert. Vous prétendiez être ma famille. Ne m'appelle pas comme ça. Ne dis plus ce mot. Tu n'as aucune idée du sens qu'il a. Mais, grande sœur, ils nous ont dit que tu es mort dans un accident. Mais comment cela se fait-il que tu es en vie? Encore que tu t'es morte. L'histoire du mauvais investissement était juste une histoire inventée. Je marchais dans la rue ce jour-là quand une jeune fille m'a piqué mon sac. Je lui courais après quand un véhicule aussi venant dans son sens l'a percuté. Elle est morte sur le champ. Et comme elle avait mon sac, les gens ont pensé que c'était moi. Ce même soir, j'ai immédiatement appelé Maxwell. Bon, ce qui est arrivé n'est pas de ta faute. Calme-toi. Je sais, bébé, mais les choses se sont passées tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait exactement. Elle est morte sur le champ, bébé. Je ne sais pas comment, mais j'ai peur. C'est bon. Regarde, je tremble de partout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je comprends ce que tu ressens, calme-toi. Oh mon Dieu, c'était horrible. C'est bon. Quand Maxwell était là, à me consoler, à me faire du thé, et tout a commencé quand il a reçu cette alerte. Tiens, le thé. Attention, c'est chaud. C'est là que nous avons reçu des notifications de mes collègues du bureau. Regardez ça. Ah, bébé, regarde ça. Tu as vu ce qu'ils ont... Non, ce n'est pas toi. Ils disent tous que je suis morte. Mais ce n'est pas moi. Bébé, regarde, il faut que nous corrigions cela. Regarde. Oh, j'ai ma photo mon Dieu, ici. Regarde. Ce n'est pas possible. Bébé, qu'allons-nous faire? Ça va trop vite. Comment est-ce que nous allons gérer cela? Regarde! Ils disent tous que je suis morte! Non, ne t'inquiète pas. Ah, ce n'est pas toi. Ok. On parlait encore quand son téléphone a sonné. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Allô? Quoi? Tout comme cela? Comment? Dans quelle morgue? Ok, je serai là. Je lui ai demandé. Ma sœur est morte. Quoi? Oh! Seigneur, je suis désolé. Je pars. Il faut que je vienne avec toi. Laisse-moi t'accompagner. Attends, je viens avec toi. La même jeune fille qui m'avait piqué mon sac était la sœur de Maxwell. Le jour suivant, j'étais avec Max. Quand vous êtes arrivé, quand je me suis rendu compte que c'était vous... Bébé, je crois que mes frères sont là. Ils ont peut-être vu la notification et ils veulent savoir ce qu'il en est. S'il te plaît, continue à prétendre, ok? Je vais me cacher. Je me suis cachée dans l'une des pièces de la maison, ce jour-là. J'ai tout entendu ce jour-là. Il m'a aussi dit combien vous étiez impliqué dans les démarches pour me donner un enterrement extravagant. J'étais en colère, amère, parce que là où j'avais besoin de vous, vous n'étiez pas là. Vous deux, me dégoûtez. Grande sœur, s'il te plaît. Je sais qu'on t'a fait du mal, nous sommes désolés. Oui. S'il te plaît, on a commis une erreur, pardonne-nous, s'il te plaît. La sœur Marie, Olaï, je te jure qu'on est désolé. Essaie de nous pardonner, s'il te plaît, au nom de la famille. Hein? Je te demande pardon.
les sœurs Marie. Il est vraiment important que vous le pardonnez, à mon avis. Pas parce qu'il le mérite, hein, mais parce que tu as besoin de ta paix. C'est aussi montrer à Dieu comment tu es une bonne âme, tu sais. Tu es aussi sa fille et tu pardonnes aussi. C'est bien. Merci. Merci, 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 merci. Encore une fois, tu nous démontres à quel point tu es une bonne sœur. Merci vraiment. Maxwell, à toi l'honneur. Comment vais-je vivre sans toi? Tu n'étais pas parfaite et tu avais tes défauts. Mais je t'aimais énormément. Ma consolation est que tu reposes auprès de Dieu et on va finir par se revoir. J'ai tellement mal de ne pas t'avoir rencontré. Ton frère m'a beaucoup parlé de toi. Et je crois que tu reposes en paix auprès du Seigneur. Oui! Depuis que ma mère m'a accouché, depuis que je suis venu dans ce monde, je ne savais pas c'était quoi l'amour. Je ne savais pas c'est quoi on appelait l'amour. Je ne savais même pas que ça existait. Avant de te connaître, je peux maintenant dire que l'amour existe. Oui. L'amour existe. Oui. On avait pour pleurs. On s'était dit qu'on allait être ensemble. Non? Pour toujours et à jamais. Corps par corps. Et âme par âme. Mais tu m'as laissé comme ça. C'est quoi tout ça? Je sais que tu n'as pas planifié de partir comme ça. D'accord, tu n'as pas planifié de partir comme ça, mais tu es parti trop tôt. Je t'ai apporté des fleurs, donc je vais te poser avant que ça ne se salisse. Je dépose ça ici. Quand tu fais, tu es dans mon... Tu restes toujours dans mon cœur et à jamais. Que tu sois en vie ou bien morte, tu es toujours dans mon cœur. Je t'oublierai jamais. Bros. S'il te plaît, te fâche pas, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? En tout cas, je suis avec toi, tu sais. Tu es un frère aussi pour moi. Considère-moi comme un frère. Pardonne-moi pour tout. S'il te plaît, tu es un grand frère. Lève-toi. Lève-toi, monsieur, là. Va là-bas. Bouge, bouge. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Till we meet. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet again. Till
you till we meet again. Meet again till we meet again till we meet at Jesus' feet. Till we meet again till we meet again. God be with you till we meet again. Adorable, je suis contente de te retrouver. Oh. Hey, Savette, comment vous allez? Tu m'as manqué. Oh, ça fait du bien plaisir de te voir. C'est vraiment très bien ça. Oh wow. Nous sommes de retour à la maison, comme une famille heureuse, et ensemble bien on va réaliser nos rêves. Bienvenue. Je crois fermement que seulement qu'on peut être une famille unie de là-haut, de n'importe où dans ce monde. Ma sœur, je crois que... Grande sœur, je ne... Votre décision d'être indépendant n'est pas une mauvaise décision au final. C'est vraiment une bonne décision. En plus, je suis convaincue que... à un certain niveau, à une certaine période dans la vie d'un homme, il faut vraiment qu'il soit seul, qu'il se préfère. Avant tout, c'est la meilleure démonstration d'amour, je crois. Nanko, grande sœur, la prochaine fois que vous venez me rendre visite, s'il vous plaît, appelez-moi d'abord. Sœur Ed, d'accord. On peut en parler. Hein. Allez. Je vous aime. Rentrez bien, d'accord. Je vous aime. Bye. Changé un peu quand même. Haha, regarde-toi. Ah bon? Et j'ai apporté des bonnes nouvelles. Dis-moi tout, je t'écoute. Ok, donc. J'ai un ami qui a envoyé mon téléphone. Mais donc tu as le travail. Félicitations, félicitations. Donc tu as le travail. Et devine quoi? Tu as eu le job. Ils m'ont appelé. Oh, je suis tellement contente pour toi. Félicitations, bébé. J'ai eu le boulot. Bravo. Ok. Regarde-toi. Je sais pas, je suis trop excité. Non, ce n'est pas vrai. Je sais pas moi-même. Oh, bravo bébé, je suis tellement contente pour toi. Merci. Félicitations. Alors, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Crois-moi bébé, c'est un véritable bon début. Merci beaucoup. Merci, je viens par ici. Je pense que je mette un peu plus de câlin. Marie, tu sais que nous avons commencé sur un chemin vraiment difficile et tu as rendu les choses très faciles. Tu bébé, m'as fait croire j'ai en l'impression moi que tu me voles mes mots. Moi. Tu m'as fait devenir le meilleur de moi-même et tu es resté quand tout le monde ne croyait. J'allais te dire exactement la même chose. Je veux juste te remercier. Tu m'as rendu meilleur, crois-moi. À propos, merci. Merci beaucoup, Marie. Je ne peux rien sans toi. Je ne sais pas si je suis capable de vivre sans toi. Quoi? Honnêtement. Bébé, je vois Marie, là une bague. S'il te plaît. Est-ce une demande en mariage? Veux-tu m'épouser? Oui! S'il oui!
Oui, oui, bien sûr que je le veux. Oui, c'est cela. Veux-tu m'épouser? Je t'aime, bébé. Donc, cela veut dire que je suis officiellement ta femme ou... Je t'aime. Ouh. Ah, finalement. Nous avons un mariage à planifier, nous avons une robe. Sacrifice and tears. I have been so ungrateful not to say thank you for the things you did for me. The sacrifice and tears. I have been so ungrateful not to say thank you for the things you did for me. The sacrifice and tears. I have been so ungrateful not to say thank you.